Bordel. Je fais faire des travaux chez moi. Ils ont commencé le jour des 6 ans de mon fils. Aujourd'hui, il a 19 ans et les travaux ne sont toujours pas finis. On m'avait dit, tu verras, faire des travaux chez soi, c'est un peu comme donner naissance à quelque chose. Et c'est vrai que c'est un peu pareil. La première phrase que le mec te dit, c'est « j'ai du retard ». Et puis surtout, le vrai travail ne commence que 9 mois plus tard. C'est paradoxal parce que tu pries pour que les mecs viennent chez toi, mais une fois qu'ils sont enfin là, t'as qu'une seule envie, c'est qu'ils se barrent. Ils font des travaux dans mon bureau, je suis exilé dans ma cuisine. Quand je les entends parler, si je ferme les yeux, j'ai l'impression de me faire gangbanger. Tiens-le bien. Il est pâteux ton torchis. Il y a de la poussière partout, j'ai l'impression de vivre sur un site archéologique. C'est Jurassic Park, à chaque fois que je passe un coup de balai, je m'attends à déterrer un squelette de raptor. Chez moi, c'est devenu chez eux. C'est même eux qui mettent les enfants au lit avant de partir maintenant. Les murs sont pas droits, j'ai l'impression de visiter l'une des maisons de l'architecte dans Astérix et Cléopâtre. L'artisan a fait plus de merde qu'un diarrhéique après avoir mangé une barquette de fraises. Et le plus ouf là-dedans, c'est que c'est lui le moins content. Putain, mais j'ai pas d'escalier là. Ah ça y est, tout de suite, j'ai pas d'escalier là. Bah j'ai pas d'escalier. Bah dis tout de suite que je suis un menteur. Je ne vois plus les pornos de la même façon maintenant. Vous voyez quand un artisan vient chez une meuf et que bizarrement la meuf d'un seul coup a envie de ken ce loser. Est-ce que ça serait pas une allégorie de la vie en fait? T'as un problème, t'appelles un artisan, il vient chez toi et il te baise. J'ai plus qu'à me désabonner de Pornhub moi maintenant.